Le feuilleton du troisième lien se poursuit avec des réponses toujours plus surprenantes de François Legault. Le premier ministre parle à nouveau d'un problème de transport à Québec après avoir dit le contraire lors de l'abandon du tunnel autoroutier. Alain Laforêt. Mais tu sais, à un moment donné, là... Mercredi soir, François Legault a rencontré son caucus afin d'expliquer sa décision et entendre ses députés de Québec et de Chaudière-Appalaches. Mais il y a une chose qui est claire et nette dans mon esprit. Ça prend un grand projet pour le Grand Québec. Mais il y en a un grand projet et on a besoin que le gouvernement, évidemment, le soutienne et fasse en sorte qu'on le réalise. Avec le retour du troisième lien, le maire de Québec s'inquiète pour le projet de tramway. Est-ce que vous avez l'impression, directement ou indirectement, qu'il y a des membres du gouvernement ou des députés caquistes qui poussent contre le tramway? Dans ce qu'on nous rapporte, la réponse est oui. Pour lui, il y a des risques de retarder des projets comme la phase 4 de la promenade Champlain, la transformation des autoroutes Laurentien-Dufresne en boulevard urbain. Est-ce que ça veut dire que ce temps-là nous ramène en arrière sur des dossiers fort importants pour la Ville de Québec? On espère que non. Les élus de la Rive-Sud, eux, mettent la pression. Que ça prend un lien routier où notre trafic lourd va pouvoir circuler et possiblement, si on est capable, s'assurer que les matières dangereuses peuvent circuler. Alors, est-ce qu'on ramène l'idée d'un pont sur l'île? Je ne dirais pas le mot pont. Non, mais ça ne peut pas être un tunnel parce que ça ne passe pas en matière dangereuse. Exact. Fait que je pense que vous êtes capable de très bien lire. Après près de 60 millions et 8 000 pages d'études depuis que la CAQ est au pouvoir... Alors, on commence à zéro? Vous avez posé une question au premier ministre et vous avez dit ça, puis c'est ça qui est ressorti. Tout le monde est d'accord avec ça. Trois jours après la défaite dans Jean Talon, c'est promis, dépromis, repromis. Est-ce que la ministre peut nous dire s'il y a là de nouvelles données pour appuyer le projet? Il y a des citoyens de Québec, mais aussi de la rive sud de Québec, qui souhaitent un nouveau pont ou un tunnel entre Québec et Lévis. Je pense qu'il n'y a personne qui peut nier ça.